Londres, 27 avril 2020, 16 degrés. Mickaël Jérémiaz, ancien champion paralympique de tennis en fauteuil et porte-drapeau de l'équipe de France aux Jeux paralympiques de Rio. J'ai découvert il y a quelques années que j'appartenais à la minorité la plus discriminée dans notre pays. Oui, en France, en 2020, les personnes handicapées sont les plus discriminées. C'est tout simplement inacceptable et aujourd'hui, je consacre toutes mes activités, qu'elles soient entrepreneuriales, associatives, politiques, médiatiques, pour contribuer à une société plus juste où les personnes handicapées seraient des citoyens à part entière et non plus des citoyens de seconde zone. Et pour ça, on a besoin que toute la société se mobilise, depuis la tendre enfance, à l'école, évidemment dans l'éducation, cette sensibilisation permanente à la différence, apprendre à vivre ensemble. Un projet de société commune que je porte, et heureusement pas seul, avec mon association comme les autres, et que je porte avec des milliers de personnes autour de moi. Et plus on sera nombreux, et plus on y arrivera. Je compte sur vous.